Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle, comment ça va? Moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Indie Horror Game. Oui, un vrai Indie Horror Game, pas The Longing Ribbon ou autre. J'en avais marre, j'avais envie de reprendre un peu les bases de ce que je fais. Et en gros, I Can't Escape a l'air pas mal du tout de ce côté-là. C'est un Indie Horror Game, hein, donc qui ne se dirige que avec les touches fléchées. Ce qui est au moins assez original, selon moi. Qui tourne plutôt bien d'ailleurs. Bon bah j'ai ouvert une porte, allons-y. Je suis sûr qu'il y a des jumpscares un peu partout. Mais j'ai décidé d'y aller en mode OZEF. Ouais, j'ai ouvert un truc. Youpi. Il y a plein de portes grillagées. Le système de déplacement est un peu bizarre quand même. Je veux dire, je m'attendais... Oui, oh oui, ce mur, ah oui, baby, ah ouais, juste comme ça, oh yeah, just like that, ah, c'était génial, bébé, on se retrouve la prochaine fois. Bon, maintenant que j'ai baisé un mur, on va pouvoir continuer. Ah, un autre mur, non, c'est bon. Ouais, je m'attends vraiment au jumpscare, hein. D'ailleurs, apparemment, c'est un mec qui est tombé dans un trou, de ce que j'ai vu. Hein. Ok. J'aime bien la musique. Elle est sympa, ça me fait un peu penser... Il y a des trous par terre. Allons par là. What the fuck? Ok. Ah, je vais aller par là alors, hein. Le jeu a décidé. Je ne vois quasiment plus rien. Non, la musique me fait un peu penser à la musique de Mission Impossible sur Nintendo 64. Un jeu qui a été beaucoup critiqué, mais que moi, franchement, j'ai adoré jouer. Puis d'ailleurs, que j'ai fini. Il y a très longtemps, d'ailleurs. D'ailleurs, j'en ai deux copies de ce jeu, parce que j'en avais retrouvé... J'avais retrouvé une cartouche dans la déchetterie. Bon bah continuons, hein. Il y a quelqu'un qui joue de la flûte là en arrière-plan de temps en temps. Pourquoi ça fait ce bruit là? D'accord. Encore? Où est-ce que je vais aller? Bon bah par là. Salut! Ça va? Tu traverses les murs comme un gentil fantôme, c'est cool! Moi aussi je t'aime. Très fort. Bon, continuez, hein. Apparemment, il n'y a pas l'air d'y avoir de jumpscare. C'est un truc qui joue sur son ambiance. Et ben, moi, les joueurs ambiance, ça m'a jamais fait peur. Hein, j'ai besoin d'un truc qui me saute à la gueule pour me faire gueuler. Ah, cette porte est tellement... Ah! Oui, vas-y, vas-y. Ah, t'aimes ça, salope, hein. Oh, oui. Je me calme. Cette porte ne m'a rien fait. Oh, il est de nouveau là. Eh, salut, copain. Mais pourquoi tu te casses? Viens. Bon, j'admets. Sauter des murs, c'est pas ce qui est le plus recommandé, hein, pour se faire des amis. Mais quand même, c'est pas ça qui doit te faire reculer, mec, enfin. Bon bah continuons. Ah tiens, on dirait que mon téléchargement Steam est fini, j'ai mes FPS qui sont remontés. Génial. Ce sera plus agréable pour vous pour regarder aussi. Ouais, une impasse. Je suis tellement content d'avoir vu une impasse. Bon bah cassons-nous, hein. En gros, comme le jeu s'appelle I Can't Escape, je suppose que je ne peux pas m'échapper. Le but est juste... Il n'y a pas de but clairement défini, hein. Je crois que le but c'est de s'échapper, mais comme ça n'a pas l'air possible vu le titre du jeu. Voilà. Fermé. Ouvert. Un trou. Je vais tomber dedans. Non. On va aller par là. Par là, je peux pas aller. Par là non plus. Et par là, je peux. Bon, bah, on va suivre les chemins imposés, hein. Hey, mec, viens m'ouvrir, enfin. Arrête de flotter comme un con, là-bas. Voilà, c'est tout ce que tu fais de ta journée. Flotter. Ah, sérieux, il y en a vraiment qui ont une vie facile, hein.
Eh ben dis que je flotte, bien sûr. Hein? Je suis content, je flotte dans mon petit labyrinthe pendant qu'il y en a qui galèrent. C'est bien. Aucune considération pour les autres, hein. Eh, un œil. Salut mec, ça va? Un œil pixelisé d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est effrayant. L'autre là il fait que flotter, vas-y, moi je flotte, hein. Tranquille. Je m'en fous de toi. Moi je vais continuer à flotter pendant que tu galères à trouver la sortie. Bon, on va éviter d'aller dans les trous, hein. Apparemment les zones sombres, c'est les trous. Ok, bon bah allons dans ce trou là, il m'a l'air bien. Je plumpe. Oh, l'ambiance a changé. Hé, hey, monsieur flottant, viens. M'énerve ce mec. Connerie de monsieur flottant. De toute façon, je peux pas courir, il y a aucune mécanique de course, donc je vais pas devoir fuir contre quelque chose. Une clé. Super. Une clé. Super ça, bien. Salut mec. Ça va? La forme? Le mec il s'amusait avec un clavier, bon tant pis, hein, visiblement. Vu la nature de la musique. Ah là, je vous avouerai que je suis complètement paumé. Comme à chaque fois que je joue à ce genre de jeu. Donc j'ai trouvé une clé passe-partout qui ouvre toutes les portes. Eh, hey, salut l'œil, ça va? Me regarde pas comme ça, ça me trouble. Oh oui, le mur. Bah oui, c'est tout ce qui me reste, hein, je suis désolé. Ouais. On va aller par là, hein. On va suivre les yeux. J'aime bien les yeux. C'est cool, les yeux. Le machin, il me regarde, là. Oui. Il est perdu. Comment ça m'excite. Comment il est trop perdu. Alors, regarde-moi ce con, à quel point il est perdu. Bon. Oh, une autre clé. Ah, merde. Bon, bah, par tomber, je fais quoi dans la vie? Tu fais quoi sinon dans la vie? Moi je tombe dans les labyrinthes et toi? Ah, moi je flotte en traversant les murs. Ah, c'est cool, on va peut-être se rencontrer au boulot un jour. Ouais, et plutôt que tu le penses. D'ailleurs, je vais jamais t'aider. Connard. Ah, une clé. Non. Merde. J'ai vu le trou que trop tard. Bon bah. Par là, ça a l'air bien. Une clé! Yes! Je sais pas si c'est un but précis. Je sais que appuyer sur échappe. Appuyer sur échappe ne fait que quitter le jeu. Yay! Au revoir! Excuse-moi, je peux passer, merci. En tout cas, plus je descends profondément, plus mes FPS y montent, hein, donc je vais continuer. Allons par là. Parce que ça a l'air cool par là. Oh, il y a un œil. Bonjour, monsieur l'œil. Ça va? Bon. Ça me rappelle un peu le labyrinthe de... L'écran de veille de labyrinthe de Windows 98. L'écran de veille que j'utilise encore aujourd'hui, en parenthèse. Hein, juste par nostalgie. Parce qu'à l'époque, j'étais littéralement fasciné par cet écran de veille et je pouvais le regarder pendant des heures. Bon, ok, j'admets que l'ambiance devient un petit peu effrayante. Pas trop non plus, hein, mais... Oh, sérieux, tous ces cul-de-sac, là. Bon, il y a un trou quelque part que je tombe dedans, là, et puis que je passe au niveau suivant. I can't escape. Bah, forcément, si j'arrête pas de tomber aux étages inférieurs... D'ailleurs, j'attends... Bah, voilà. Merci. Hé, hey, monsieur flottant. Non, tu viens. Foiré. Monsieur flottant, tu viens. Connard. J'avais pas vu le trou à cause de toi. Là, je vous avouerai que j'avance au hasard. Hein. Je suppose que c'est possible de faire une carte. Pour savoir où on va. Mais vu qu'on n'arrête pas de tomber dans les trous... D'ailleurs, le mec, il a une bonne vision nocturne, hein. La nana de Longing Ribbon devrait prendre exemple. Oui, j'ai baisé le mur deux fois parce que ça me plaît. Laisse-moi passer. Oh. What? Hey.
Bon, bah je dirais que ça marque la fin de ce let's play, hein. Let's play qui aura duré 10 minutes, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, hein, n'oubliez pas, bah oui, end. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de commenter, de vous abonner, de la partager sur vos réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, de la mettre en favori, tout ça me ferait énormément plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook qui est dans la description de la vidéo, bien sûr, mais bon, il s'y passe pas grand chose, je ne fais que poster les liens des vidéos YouTube, et voilà, ça vient d'arrêter mon enregistrement frappe, sans rien me demander, mais il se passe pas grand chose, comme je disais. Je ne fais que poster les liens des vidéos qui sont postées sur YouTube. Et de temps en temps, je fais une blague, je raconte un peu des conneries, je lance des sujets de discussion à bout, mais ça arrive pas non plus ultra souvent. Par contre, si vous écrivez sur la page Facebook, je vous réponds, comme je réponds dans les commentaires. Donc c'est un peu comme vous voulez. Voilà. Le lien du jeu est aussi dans la description de la vidéo, vous pouvez aussi les retrouver là-bas. Voilà. Sur ce, moi, je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir. Bye! C'est pas une sale bite pour rien? Bah si, c'est une sale bite pour rien. Oui, je ne fais que passer. Elle a l'air d'en avoir rien à foutre des fantômes, par contre, hein. Mais alors, complètement, rien à branler. Bon, on va remonter juste histoire de réinitialiser les fantômes. Je ne comprends pas. Bon. On va redescendre sur la ligne de métro. Ah, mais il y avait sa porte qui était ouverte aussi, c'est vrai. J'ai oublié de la vérifier, celle-là. Ouais, comme vous dites, je suis d'accord. Faites des phrases pour ce bordel.